Anaïs, salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Birchbox du mois car j'ai reçu ma Birchbox de ce mois-ci et du mois prochain aussi. D'ailleurs, je crois que c'est la Birchbox du mois de juillet et août. Donc, elle va réunir normalement 10 produits dans une pochette pour l'été. Je l'ai reçue vendredi. Elle est juste ici et du coup je vais enfin pouvoir l'ouvrir avec vous. On ne va pas perdre de temps, on va pas traîner, on va commencer dès maintenant. Donc si vous êtes prêts, c'est parti! Alors, j'ai sorti un couteau, ce sera plus simple. Je galère toujours à ouvrir les cartons, donc maintenant je m'embête plus. Et voilà, donc ça se présente tout simplement comme ceci. Donc moi j'ai pris la blanche et bleue. On avait le choix entre la blanche et bleue ou entre une blanche et bordeaux un petit peu je crois. Je vous avouerai que je préférais l'autre, je vais pas vous mentir. Mais j'ai déjà énormément de choses dans ces couleurs là. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais changer un peu et je vais prendre la bleue claire. Et je pensais avoir une pochette bien plus petite en fait. Je vous avoue, je suis agréablement surprise parce que je pensais qu'elle serait petite et finalement non, elle est assez grande quand même. Enfin, j'avoue, je suis agréablement surprise. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc voilà, à l'intérieur, comme d'habitude, vous avez le petit carnet explicatif de tous vos produits. Et donc à l'intérieur du sachet, vous avez tous les produits pour cet été qu'on va commencer à ouvrir dès maintenant. Déjà là, enfin, ça sent bon l'été. Rien que là, la pochette ouverte, même sans avoir découvert les produits, ça sent déjà super bon. Le premier produit du mois, donc c'est une crème des vagues, une crème hydrafondante de la marque Algology. Donc apparemment c'est une crème hydratante fabriquée 100% en Bretagne. Donc je vais vous lire en même temps comme d'habitude le petit descriptif. Alors, crème des vagues hydrafondante. Véritable vague de fraîcheur, cette crème légère et veloutée fera le plus grand bien à votre peau cet été. On adore sa texture qui fond instantanément sur la peau, profitez d'une bonne dose d'hydratation sans effet collant. Appliquée matin, soir, sur peau propre. À en croire sa note Yuka de 100 sur 100, cette jolie crème a vraiment tout bon. Donc voilà, ça tombe bien. En plus, j'avais plus beaucoup de crème hydratante, donc c'est vraiment parfait, ça tombe super bien. J'espère que je vais avoir un soin aussi, parce que j'en ai plus beaucoup non plus. Donc voilà, une crème des vagues 100% fabriquée en France en plus. Alors, deuxième produit de cette Birchbox, on a une jolie micellaire douceur à la banane rose pour le visage, les yeux, les lèvres. Je vous avouerai, je déteste... J'espère que ça va pas sentir la banane ou un truc comme ça. D'ailleurs, je peux essayer tout de suite, je déteste ces odeurs là. J'ai déjà testé et voilà quoi. Ah mince, elle est fermée. Bon bah on verra, ce sera la surprise. Mais j'ai un peu peur de l'odeur. De toute façon, je vais vous lire le descriptif et peut-être qu'on en saura un petit peu plus. Cette gelée micellaire 100% naturelle démaquille la peau et la libère de ses impuretés. Ses actifs clés, le complexe bioactif banane rose, l'huile de ricin et l'huile de son de riz. Le cocktail parfait pour vous démaquiller tout en douceur. Résultat, une peau fraîche rebondie et plus lumineuse que jamais. Son arme secrète, son parfum estival, merveilleusement fruité et fleuri, vous fera voir la vie en rose. Bon bah j'en sais... Enfin oui, ils disent que ça va être une odeur fruitée. Comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est vrai que les odeurs pour moi c'est super important dans un produit. Donc j'espère que je vais pas être déçue de l'odeur de ce produit. En attendant, oui, c'est un produit qui va bien me servir, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Je sais que je vais m'en servir, mais je vous en dirai des nouvelles. Je vous ferai peut-être un petit post Instagram un jour pour vous dire ce que j'en ai pensé. Le troisième produit, c'est tout simplement une crème solaire très haute protection. Donc, ils ont mis un UVA de 50+, ce qui est parfait pour moi. Comme vous le voyez, je suis super blanche. Quand je vais au soleil, je ne bronze pas, je brûle. Donc, c'est vrai que ce sera super pour moi. Je sais même pas s'il y a un petit descriptif, s'il y a quelque chose à dire là-dessus. Parce qu'entre mine ensoleillée et petit coup de soleil, il n'y a qu'un pas. Voici votre indispensable pour bronzer sereine. On aime sa texture fondante et invisible qui résiste à l'eau et sa formule sans parfum qui booste le renouvellement cellulaire, hydrate, nourrit et apaise la peau. Voilà, donc en même temps que de protéger du soleil, donc elle hydrate et toutes ces choses-là. Donc je vais la tester cet été. Le 50+, c'est vraiment un top pour moi parce que bon, c'est vrai que finir écrevisse à la fin de la journée, c'est vraiment... Je préfère rester blanche que finir comme une écrevisse, clairement. Donc ce sera à tester et je vous en dirai des nouvelles également. Nous avons ensuite un grand flacon pour une fois. J'avoue, j'ai été surprise en le voyant. C'est une gelée d'après-soleil hydratante à base d'aloe vera. Déjà, j'aime beaucoup tout ce qui est à base d'aloe vera. Enfin, c'est vraiment des produits que j'aime bien.
Cette gelée green, c'est le coup de frais bienvenu après une journée à se faire dorer la pilule. C'est la dose de réconfort ultra frais que votre peau attendait. Son actif clé, l'aloe vera, connu pour ses vertus apaisantes, réparatrices et hydratantes. Appliqué généreusement sur tout le corps, visage compris, le tips, laissez-la au frigo pour un effet fraîche sauf fraîche à l'application. Donc ça c'est pareil, c'est super si j'attrape un coup de soleil ou quoi, je sais que ma peau est très fragile au soleil, donc ce sera à tester également si ça peut donner une sensation de fraîcheur après une journée ou quoi, je pense que je vais beaucoup apprécier ce produit. De toute façon, comme d'habitude, tous les produits que je vous présente là, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver en description. Alors ça c'est les produits que j'aime dans la Birchbox, ce sont tout ce qui est maquillage en fait, j'aime bien tous les produits de maquillage. Et donc c'est un gloss à lèvres B de chez Incredible apparemment, qu'est-ce qu'ils en disent de ce gloss à lèvres. Retour dans les années 1990. Découvrez le gloss à lèvres Roller Baby pour un sourire parfait. On adore son effet lèvres pulpeuses, brillantes et délicatement parfumées. Et cerise sur le gloss, il ne colle pas, vos cheveux seront tranquilles. Alors ça c'est parfait. S'il colle pas, je vais adorer, je déteste les gloss qui collent. Donc ça, je pense que si vraiment il colle pas, qu'il a vraiment une petite odeur et tout ça, ça va être mon meilleur ami cet été, je pense. Et cerise sur le gloss, comme ils disent, on a un deuxième... produit de beauté ce mois-ci, un deuxième produit maquillage qui est dans un petit papier bulle. Je pense que ça doit être fragile, mais je vais vous le sortir. C'est une poudre bronzante, poudre ensoleillante de chez Rose la Lune Paris. Hop, on va l'ouvrir si j'y arrive. Voilà, c'est une poudre bronzante qui m'a l'air très foncée pour moi. Par contre, je vais vous la montrer d'un peu plus près, mais je suis blanche quoi. Laissez-vous aller, cette poudre bronzante formulée à Paris s'occupe de vous dessiner un teint divin. Ce qu'on aime, elle apporte un vrai effet coup de soleil au visage et une bonne mine de retour de vacances. Son secret, ces petites perles qui offrent un fini irisé délicat. Son actif clé, sa formule enrichie en extrait de rose qui rend sa texture infiniment douce. Donc je vais la tester, mais je vous avouerai que ouais, je suis très blanche, donc si c'est pour qu'il y ait un contraste énorme entre ma peau et la poudre bronzante, bon c'est pas grave, si je ne la porte pas, si je peux pas la mettre, je la donnerai à quelqu'un qui a une peau plus foncée que moi, c'est pas grave. Ensuite, donc, on a un échantillon de chez Kérastase. Donc, c'est un bain après soleil eau de coco. Donc, un shampoing hydratant après soleil pour les cheveux exposés au soleil. Donc, ça, je pense que ça va être un produit que je vais adorer. J'adore recevoir des échantillons pour les cheveux. Donc, je pense que ça va être quelque chose que je vais tester très rapidement. Donc, sa formule enrichie en eau de coco. Elle élimine en douceur les résidus de chlore, de sel et de sable, tout en empêchant le dessèchement de la fibre. Le plus... son odeur 100% summer aux notes de jasmin et de tubéreuse. Résultat, une chevelure hydratée, lumineuse et soyeuse. Ah ça, ouais, donc ça va être super pour mes pointes. Bah comme vous le voyez là, la caméra, mes pointes sont à nouveau dégueulasses. Donc ça va être à tester très rapidement et je vous en dirai des nouvelles aussi. Ensuite, je ne compte plus les produits, je ne sais plus combien on est. Mais le prochain produit, c'est de la marque Trésor Solaire. Donc c'est un masque visage en cellulose écologique, donc qui apaise en fait, ça calme et renforce les barrières naturelles de la peau. Donc ça me fait un peu penser au masque de chez Sephora, je sais pas si c'est sous le même format, on va regarder ça tout de suite. Ce masque est une vraie perle rare, le parfait réconfort pour votre peau après une longue journée bronzette. Ce qu'il fait, il soulage et déstresse la peau, dites bye bye aux irritations rougeurs et aux tiraillements. Ses actifs clés, la vitamine E et l'arnica, aux vertus anti-inflammatoires, antioxydantes et apaisantes. Donc oui, donc c'est bien ça, je viens de lire derrière et c'est bel et bien un masque en tissu à appliquer de 10 à 20 minutes. Donc ça va, c'est quelque chose que je connais déjà. On va tester, on va bien voir si c'est pareil, si un jour j'attrape un gros coup de soleil ou n'importe quoi. Si vraiment ça apaise, je testerai à ce moment-là. Je vais le garder un petit peu parce que là, je vous avouerai qu'en ce moment, il fait pas super super beau ici. Mais je vais le garder pour les beaux jours et je testerai ça et je verrai si je rachèterai ou pas. Donc le prochain produit, c'est un soin pour les cheveux à la figue de Barbarie Bio. Donc ça va, ça me va bien d'avoir un soin, j'ai un shampoing, j'ai un soin. C'est vrai que ce qui est bien là dans cette box, c'est que du coup on arrive à avoir plusieurs choses. Par exemple, j'ai une crème hydratante pour le visage, j'ai un masque pour le visage. Enfin voilà, ça me permet de tester les choses un petit peu en même temps et voilà, au moins je peux vraiment savoir ce que j'en pense. Là c'est pareil, je pense que finalement je vais l'appliquer après le shampoing Kérastase et comme ça je pourrais tester un petit peu les deux en même temps. Alors, ce soin sans rinçage va hydrater et nourrir vos longueurs en profondeur, à vous les cheveux doux et vigoureux. L'ingrédient magique, l'huile de pépin de figue de Barbarie, utilisée depuis toujours par les femmes berbères et qui régénère les cheveux abîmés. On aime la formulation à 96% d'origine naturelle, développée et fabriquée en France.
Donc j'ai l'impression qu'on a beaucoup de choses d'origine naturelle. Là, il y a celui-ci. Tout à l'heure, la gelée d'après-soleil, elle était végane. Enfin voilà, on a pas mal de petites choses naturelles. Et même habituellement, il me semble qu'on a beaucoup de choses aussi d'origine naturelle. Donc c'est très bien. Ils essayent de faire un petit peu pour tout le monde, pour les personnes qui aiment bien ce genre de produits. C'est vrai que ça peut être très très bien. Après, je ne sais pas si ça existe les box 100% d'origine naturelle. Il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas de chimique entre guillemets et qui aimeraient bien avoir ce genre de box. Je sais pas si ça existe, il faudrait que je me renseigne, mais bon, pour l'instant, on va finir par le dernier produit. Bon, bah là, je vais vous lire directement le truc parce que tout ce qui est écrit français dessus, c'est ananas, noix de coco, mais. Ah oui, c'est un lait corporel, pardon. C'est un lait corporel à l'ananas et à la noix de coco. Oh, j'ai encore plein de lait corporel. J'en ai marre des laits corporels, j'en ai trop à finir là. Ce lait hydratant à 92,3% d'origine naturelle est le soin idéal pour l'été. Avec sa formule enrichie en extrait naturel d'huile d'amande douce, d'aloe et de provitamine B5, votre peau est revitalisée, désaltérée, apaisée. Résultat, la douceur est bien là. On adore son parfum ananas coco, fruité et gourmand, qui vous transporte en voyage au soleil à la sortie de la douche. Bon bah vous voyez, on vient tout juste d'en parler, mais encore une fois, c'est un lait hydratant à 92% d'origine naturelle. Donc comme quoi, dans cette box, on a 3 produits d'origine naturelle. Donc un tiers de la box est d'origine naturelle. Donc voilà, je sais pas s'ils font du coup ce genre de box, j'ai pas vu, je me renseigne pas trop. Moi je reçois mes box et après je vous avouerai, je vais pas voir ce qu'il y a d'autres comme box sur les sites, faudrait vraiment que je me renseigne. Mais donc voilà pour notre petite sélection du jour. Donc il y a de tout. Il y a de la crème solaire avec de la gelée après soleil. On a des produits pour les cheveux. On a du maquillage. On a une sorte de démaquillant. Et on a aussi du coup la grande pochette de l'été que du coup j'ai pris en bleu. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà pour tous les produits de ce mois-ci et du mois prochain, du coup les 10 produits. Dites-moi ce que vous avez reçu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ou ce que si vous avez eu les mêmes que moi, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez au premier abord, votre première impression. Du coup, on attend, je pense pas en recevoir une en août. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour la prochaine Birchbox. En attendant, profitez bien de tous vos produits si vous l'avez reçu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous!